La journée mondiale de l'enseignant a été célébrée en différé ce 20 octobre 2022 au Burkina Faso sous le thème « La transformation de l'éducation commence avec les enseignants ». Les ministères en charge de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ont reconnu à l'occasion le mérite de 293 acteurs de l'éducation nationale qui se sont illustrés donc dans leur travail. Jean-Eudes Bayala, Karim Bitienga. Cette fanfare militaire donne le ton pour la reconnaissance de la nation aux enseignants. Une reconnaissance exprimée au cours de cette célébration de la Journée mondiale des enseignants. Pour ses services rendus à la nation, ce professeur à l'université Joseph Kizerbo est fait officier de l'ordre des palmes académiques. La suite, c'est continuer de travailler, travailler davantage, travailler avec les étudiants, avec les jeunes collègues, ok ? Pour qu'un jour, chacun puisse apporter sa pierre à la construction de notre chère nation. À l'instar du professeur Alou Keïta, 5 autres personnalités ont reçu la médaille d'officier. À leur suite, 287 personnels de l'enseignement sont décorés de la médaille de chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques. Objectif, les encourager pour le rayonnement du secteur de l'éducation. Ces braves personnes donnent le meilleur d'elles-mêmes, de jour parfois comme de nuit, pour assurer à ce pays la formation de cadres. Certains de ces enseignants et enseignantes sont dans des zones relativement difficiles, compte tenu du contexte sécuritaire national, en l'absence de possibilité de récompenser tout le monde. Nous choisissons certains d'entre eux pour marquer à l'ensemble du personnel la satisfaction qui est au niveau de nos deux ministères, de faire en sorte que ces gens se sentent encore investis de l'autorité nécessaire pour l'enseignement de nos enfants. La Journée mondiale des enseignants est célébrée chaque 5 octobre en reconnaissance de leurs sacrifices. Le Burkina Faso la commémore cette année en différé sous le thème « La transformation de l'éducation commence par l'enseignant ».